OK, on va commencer à faire de la pratique, juste à l'oral. Alors, tu n'as pas besoin de ton crayon ni de ton papier, OK, de ton tableau blanc. OK, je vais vous faire écouter le phonème final. C'est un phonème court à la fin des mots. Alors, je vais dire le mot et vous pouvez, on va pratiquer avec le premier. Si je dis jupe, dites jupe. Jupe. Quel est le son final? Très bien, on va faire comme ça. Si je dis, alors je dis robe, le final, son final c'est B. B. Excellent. Si je dis loupe, alors dites loupe, son final P. On n'entend pas le E, on entend P. Dis boude. Son final? De. Fête. Tuc, dit tuc. On va en faire chaque. Son final? Zig, zig, que, zag, que. Dernier, flac, super. OK, la prochaine partie, je vais vous dire des phonèmes qu'on a déjà vus en classe ensemble. Et on va faire une petite révision. Quand vous voyez le phonème, on va répéter les lettres et on va dire le son. Alors, le premier, U fait. Alors, U fait U. CH. Oh, dis-le avec moi. CH. Z fait Z. O, N, fait, on. O, U, fait, ou. K, fait, k. A, U, fait, o. Maintenant, aujourd'hui, oh, j'ai oublié une chose. Cette fois-ci, vous pouvez prendre vos tableaux blancs. Maintenant, moi, je vais dire des sons. Je vais dire un phonème et tu vas écrire les lettres. Vous êtes prêts? OK. Je vais dire U. Celui-là, il est difficile. C'est pour ça que je vous le donne. Quand vous avez écrit, vous pouvez juste me montrer comme ça. U fait... U, on l'avait déjà vu dans la révision. Très bien. Vous êtes prêts? Il y a deux possibilités pour celui-là. En. 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 Comme dans. En. 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 J'ai quelqu'un qui a fait quatre différentes possibilités. En avec un A, N. Pourquoi tu as mis le A, M, Marie? Parce que ça peut aussi être A, M, ou E, N, ou E, N. Mais et je pense que quelle est la prochaine? Oui, mais là, qu'est-ce qu'on aurait comme lettre après le M? Abby? P ou P. P ou P, c'était ça. Donc, on a A, N, A, M devant un P ou un B, E, N, et E, M devant un P ou un B. Très bien, Abby, tu l'avais fait aussi. OK, alors vous pouvez changer si vous ne l'avez pas eu correct. Très bien. Maintenant, effacer et on va faire un. 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 Il y a plusieurs possibilités ici aussi. Aucun son incorrect. Tiens, je vais prendre le tien, Molly.
Marie a écrit 1. Est-ce qu'elle est correcte avec le 1, I-N? Qu'est-ce qu'on aurait après cette lettre, alors? Un B ou un P. Carter, un B ou un P. Il y en a un autre. Un chat, qu'est-ce qu'on écrirait? Un, est-ce que ça, ça fait le son 1 aussi? OK, très bien. Effacer? E, comme dans feu. E, E, E. Montre-moi, est-ce que ça c'est correct? Oui. E, alors change-le si tu ne l'as pas eu. E, excellent. OK, prochainement, vous n'avez plus besoin de vos tableaux blancs. Vous pouvez fermer vos crayons. Et on va faire le son aujourd'hui. Le son, vous allez écouter les mots. Vous allez me dire qu'est-ce que vous entendez. Trois. Vous allez dire le mot que c'est. Trois. Toi, c'est le son wa. On fait le son wa aujourd'hui. Alors, dans le son wa, on utilise, pour le son wa, on utilise un oiseau, oiseau. OK. Pensez à ce que vous faites avec votre bouche quand vous faites ou. Alors, on n'a pas les crayons dans les mains et on fait ou. Fermez vos yeux peut-être pour essayer de bien penser à ce que ta bouche fait. Oua, oua, oua. Regarde ta bouche sans faire le son. Fais-le silencieusement. Ta bouche est arrondie. Maintenant, pense à ta langue. Que fait ta langue? Ouh, ouh. Elle est un peu pointue. Est-ce qu'elle touche tes dents, Molly? Ouah. Ensuite, quand tu fais ouah, ah, qu'est-ce qui se passe à ta bouche, Carter? Elle s'ouvre? Oui, j'ai vu que ta bouche ouvrait. Ouah. Est-ce que ta voix est allumée ou éteinte? Touchant la gorge. Ouah. Ouah. Elle est allumée. Très bien. Alors, on a bien articulé. Ouah, ouah. Très bien. On n'utilise toujours pas nos tableaux blancs. Je vais fusionner des syllabes et des mots. Donc, des fois, il y a des mots inventés, n'est-ce pas? Des fois, c'est des vrais mots. On a vu que des fois, c'est difficile, les mots inventés. Alors, je vais dire deux sons. Je vais vous montrer avec mes doigts et vous allez le dire. K, wa. T, wa. L, wa. L, wa. Loi. Bien. N, wa. Wa. Super. V, wa. L, A. Voilà. Voilà. Difficile. L, wa, d, ou. Loi d'où. C'est un mot inventé. V, wa, s, i. Voici. Quelque chose de délicieux. K, r, wa, en. Croissant. Croissant. Est-ce que tu aimes les croissants? Oui. C'est bon. Très bien. OK, vous êtes prêts maintenant à faire du travail? Montrez-moi votre tableau blanc. Cette fois-ci, c'est vous qui allez faire avec le tableau blanc. Mais qu'est-ce qu'on utilise d'abord? On utilise notre main pour entendre et ensuite faire des lignes pour que chaque phonème soit sur la ligne. Le premier, alors pas de crayon ou un crayon, mais aussi ta main. N, wa. Combien de sons est-ce qu'on entend? Deux. Deux lignes. Tout le monde a fait deux lignes. Et ensuite, n, wa.
Il y a une lettre silencieuse. Si tu penses que tu sais quelle lettre silencieuse, n'oublie pas que tu peux le mettre à la fin, ici, à côté. Moi, je fais des petits points. Tu peux faire la lettre. Tu as fini, Molly? Sarah, quels sont les sons? Mmh, ouah. Je pense que tout le monde l'a bien eu. Mmh, ouah. Si tu as mis une lettre silencieuse, le X, c'est parfait. Et si tu ne l'as pas, tu le changes. Oui, effacer. OK, montrez-moi vos mains. Mmh, ouah. Moi. Faites les deux lignes. Et dites-moi, qu'est-ce que tu entends? Mmh, ouah. Il te manque quelque chose sur le deuxième. Et encore une fois, celui-là, il peut être... Il y a deux différents moi. Il y a moi... Ou le mois de janvier. Très bien. Toi, tu as montré les deux. Toi, tu as montré... Sarah, écris-moi les sons, s'il te plaît. Ce que tu entends. Très... Oh, super. Moi, j'avais choisi... Moi. M-O-I. M-O-I. Avec un S. Moi, j'avais choisi le mois de janvier. Super, Carter. Prochain. T-O-I. T-O-I. Très bien, Léo, tu utilises tes doigts. T, oua. Et ça, c'est toi. Il y a deux différents toi. Il y a le toit d'une maison et il y a toi. Moi, toi et le toit d'une maison. Très bien. Toi. Tout le monde a écrit? Très bien. Toi avec un T. Moi, j'ai utilisé le toit d'une maison, mais si c'est toi, c'est toi. Prochain. Roi. Oh, avec tes doigts. Roi. Roi. Pas de lettre silencieuse cette fois. Oh, oui, s'il y en a plus qu'un. Oui, c'est bien. Oh, oh, je crois que j'ai fait une erreur. Alors, je vais montrer celui d'un élève. Roi. Roi. Il a bien fait, Dacho? Oui. Oh, oh, je pense que mes notes sont peut-être un peu différentes. OK, on va faire le prochain. Boire. B. Boire. J'espère que c'est le mot que j'ai choisi. B. Boire. Boire. Oui, est-ce qu'on entend le wa, b, wa. Il y a trois lignes. Et il y a une lettre silencieuse. Si tu n'as pas mis une lettre silencieuse, je pense que tu peux la mettre. Est-ce que je l'ai bien fait? Ah! Je vais montrer celui d'un élève. Boire. J'ai ajouté des mots. Boire. B, boire, avec la lettre silencieuse. OK. Le prochain, froid. Montre-moi avec tes doigts. Froid. 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 Qu'est-ce que tu penserais une lettre silencieuse que tu pourrais mettre? Ça, c'est le défi. Oh, tu as mis l'autre, super. Froid. La lettre silencieuse, il n'y a pas une ligne. Alors, qu'est-ce que tu dois changer? Vous savez si bien. Froid. Et j'ai mis le D. Froid. Si... Est-ce que tu mets le R et le OI sur la même ligne? Non, est-ce que c'est wa? C'est trois différents phonèmes. Oh, suite.
noir. 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 Et ça aussi, il peut faire une lettre silencieuse si c'est le. Ça, c'est facile! C'est trop facile pour vous! Vous connaissez tellement bien! Noir. OK, fermez vos yeux pour une minute. Fermez vos yeux. Est-ce que j'en ai un autre? Hop! Il y en a un inventé! Vous êtes prêts? Bois doux. B. Bois de ou. Bois doux. Combien de lignes on écrit? Je veux voir les lignes aussi. B. Bois de ou. Ou. Le dernier son? Ou. Bois doux. Bois doux. Est-ce que c'est un mot, ça? Non, non, non. Bois doux. Bois doux. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Suite. Et le dernier. Voiture. 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 Cinq lignes. Voiture. Ça fait voiture. Qu'est-ce qui fait voiture. C'est très bien. Voiture. Très bien. Super. Voiture. OK. C'est parfait. Maintenant, vous avez plus besoin de vos tableaux blancs. Posez vos tableaux blancs. Mettez vos crayons sur les tableaux blancs. Tu peux effacer, lire comme ça. Et Benji. Super. OK. On va lire des mots ensemble. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes des stars de ces leçons. Maintenant, on va lire des phrases. Oui. Une noix, c'est comme quoi? C'est quoi une noix? Oh, avec la main levée, James. Très bien, des noisettes. Le poisson voit sa proie. Sa proie, c'est ce que le poisson va manger, sa proie. Ce soir, je vois les... J'ai entendu le « z », les étoiles, les eaux. Excellent, vous avez tout fini. Merci.